Hello, chers amis, comment allez-vous? J'espère bien. Nous voici connectés sur la chaîne Entrepreneur Web 3.0. Donc, voici le coin Java Coin. Donc, c'est une crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie, c'est une coin. Si vous avez fait la différence entre un coin et une crypto-monnaie dans les vidéos précédentes, donc là, ici, il s'agit de réclamer quelques milliers de jetons de cette crypto-monnaie, de ce Java Coin. Pour cela, je vais me connecter sur la Binance Smart Chain. Ici, là, c'est fait, c'est déjà fait. Une fois, je vais venir cliquer là sur Airdrop, c'est fait. Voilà, c'est fait. Donc là, je vais revenir cliquer là sur Airdrop Free. Donc là, je clique sur connexion. Sachez que vous êtes connecté sur la chaîne Entrepreneur Web 3.0, la chaîne qui partage toujours les bons plans, la chaîne qui vous partage tous les projets de grande envergure, la chaîne qui vous mettra potentiellement sur le chemin de la liberté financière, la chaîne qui vous positionnera toujours des bons plans. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, voici comment je réclame. Ici, les frais ne sont pas trop élevés, c'est raisonnable, 0,17. Là, nous avons 0, c'est bon. Donc, comme il en est ici, je vais donc approuver. Et là, vous devez avoir du BNB et la Binance Smart Chain. Voilà, là, ça a été réclamé avec succès. Donc, plus 7 Java, c'est normalement envoyé 7 Java. Donc, une fois que j'ai fait cela, c'est en train de charger. C'est en train de charger. On va voir l'évolution. On va voir l'évolution au niveau du BSCAN. On va voir l'évolution. C'est en train de travailler. On va voir l'évolution. Mais bon, cependant, nous allons rentrer sur le BSCAN ici pour voir à quel niveau. Donc ça travaille encore, mais bon, ça va, on va pas s'attarder dessus. On va venir cliquer ici sur Java. On va chercher maintenant l'adresse du smart contract. On va chercher l'adresse du smart contract maintenant, et après, parce que l'adresse du smart contract ici que je vais copier, je vais de nouveau rentrer sur portefeuille. Ici, c'était, non, c'est pas ça, c'est ça, c'était un autre que j'ai réclamé tantôt. Je vais cliquer là, c'est fait. Je vais ajouter jeton. Je vais cliquer sur BSCAN Smart Chain. Je vais coller là. Voilà. Une fois que j'ai collé, vous voyez, j'ai l'adresse là. Ici, j'ai le nom du token. Et là, j'ai le symbole. Et là, j'ai la décimale. Une fois que c'est fait, je vais cliquer maintenant sur terminer. Je vais cliquer maintenant sur terminer. Voilà. C'est fait. C'est fait. Terminé. Voilà. Ça fait. Voici merci, j'y vais. Merci, JVC. Donc, voici ça devant vous. Donc, cependant, je vais rentrer sur BSCAN. Je reviendrai là. Je vais aller chercher mon BSCAN ici. Alors, ça fait que réduit. Donc, je vais copier mon adresse pour aller maintenant mettre mon lien de référencement. Je vois qu'on est ici. Là, je vais rentrer là. Je vais. Cliquez ici, là, sur. Je vais cliquer là, je vais coller mon lien là. C'est fait. Je vais générer et je vais copier maintenant. C'est fait. J'ai déjà copié. C'est fait. Donc, à chaque fois que je vais référencer, je vais recevoir 6 JVC. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais de nouveau rentrer. Je vais de nouveau rentrer sur le. Sur portefeuille ici, je vais aller rechercher le token. Il est loin ici au fond, afin de partager cela à ma communauté. Donc, je vais faire une capture d'écran vite fait. Une capture d'écran vite fait pour partager à ma communauté. C'est fait. Je vais maintenant aller sur WhatsApp. Après, je vais aller sur Telegram avec. Donc, là, je vais coller là directement. Directement, c'est fait. Voilà, ça devient du référencement. Ça devient du référencement. Je vais rentrer également, copier l'adresse du smart contract ici. Une fois comme ça, j'ai tout à la fois. Comme ça, j'ai tout à la fois. Copier l'adresse du smart contract, il était où? C'est l'adresse du smart contract ici que je copie. Je copie l'adresse du smart contract pour partager à ma communauté également. Donc, les gars, voici le projet. Comment j'ai réclamé devant vous en direct, en live. Donc, les gars, ne perdez pas de temps. Là, j'ignore le nombre de temps qu'il nous reste encore. Il nous reste ici. Il nous reste ici 34 jours. 34 jours, vous voyez bien là, 34 jours. Donc, les gars, passez à l'action maintenant. Ne perdez pas le temps. Sinon, vous pouvez oublier. C'est pour ça que je fais toujours des vidéos pour essayer d'informer au maximum des personnes intelligentes qui peuvent potentiellement se positionner dans ce projet
tout en ayant mûri leur engagement. Parce que ici, il s'agit de ne pas inciter quiconque à pouvoir se positionner ou investir. Ici, il s'agit juste d'informer, d'éduquer et de partager des projets. C'est de cela qu'il s'agit. Donc là, je vais rentrer. Je vais arrêter cette vidéo. Je vais arrêter cette